Attention, le coup d'envoi va être donné. Et c'est parti, Claude. Très belle entame des Montchaninois là qui rentrent dans ce match tambour battant. Allez, on fait jouer aussi par les trois quarts maintenant, mais ballon conservé. On voit que ça communique bien entre les joueurs là pour essayer donc de bien conserver le ballon, on ne se précipite pas du côté Montchaninois. Et deuxième pénalité, ah c'est dommage, deuxième pénalité pour les Montchaninois qui proposent des belles choses mais ballon qui malheureusement... Voilà. Numéro 12. Voilà, les 3 points. Et ça passe. Oui, le 12, c'est Thomas Drivo, le 12. Oui. Ok, ball. Voilà, donc une belle balle prise en touche sur un début d'alignement. Avantage, c'est bien, avantage. Bien structuré. Il y a un avantage pénalité. Essai. La particularité de Thomas, c'est qu'il a joué à Chalon. Et c'est sa première année. Alors attends, David, ne t'entends pas. Allez, on va regarder le ralenti. De l'essai, Couchois. Et suite à ce ballon, voilà, cette touche bien trouvée. On va regarder la transformation peut-être Manu après dans la foulée. Et voilà, bel essai. Donc marqué en force sur une pénale touche. Prend aussi qui était sorti. Bah, il est rentré. D'accord. Enfin, non. Ah, mais c'est non, le 3 rentre ligne. Pas et c'est le 7 qui rentre à la place. Ah, d'accord. Il y a eu un changement. Voilà, de départ numéro 8. Ouh. Et ça joue même sens. Jeu direct avec le deuxième ligne numéro 4. Ouais. Palma, on s'approche Palma, dangereusement. Fort, ouais. Donc avantage pénalité. Et là, on est près de la ligne. Du côté voilà, Couchois. Non, pas les mains. Pour l'instant, l'équipe de Montchanin qui tient. On est toujours sur l'avantage. On est toujours avantage pénalité. Le joueur tombe. Terminé. On revient là-bas. C'est un ruck. On joue à la main. Voilà, parfait. Et c'est reparti, Claude, pour cette deuxième mi-temps. Pour 40 minutes de bonheur. Voilà, une petite maladresse hein, d'équipe de couche qui... Premier bleu, deuxième noir. Qui va permettre à l'équipe de Montchanin, directement au début de cette deuxième mi-temps, d'avoir un beau lance, d'avoir une belle mêlée. Stop, noir, stop! Donc au niveau des joueurs 8. Qui viennent de rentrer, alors pour Benjamin... Ouais, belle offensive, Montchaninois, ouais, belle offensive. Attention, ouais, ça reprend. Avec encore ce magnifique joueur, coup de pied. Bien joué. Oui! Et c'est Montchaninois! Et alors là, c'est la folie, hein. C'est la folie. Bah, une belle inspiration ouais, hein, de l'ouvreur qui avec un coup de pied. Allez, on va voir l'essai. Alors, on voit la mêlée, sortie de mêlée. C'est magnifique. Du numéro 8, avec le numéro 9 qui jouait que c'est demi d'ouverture. Donc, belle offensive du 3 quarts qui fixe les joueurs. Et on retrouve le 9, le 10. Belle inspiration. Coup de pied. Et ce petit coup de pied donné avec la tête. Voilà, permet à son joueur d'aplatir et de tomber en terre promise. Magnifique inspiration, Montchaninoise. Pour voir s'ils écoutent. Et est-ce qu'on a vraiment envie de jouer? Parce que là, je stop me pose la question, stop, je n'ai jamais vu stop, jouer comme ça. Quand stop, t'as vraiment, tu joues pas au pied. Restez neuf. Ballon rentré. Ouais, qui a... Ok, stop noir. L'arbitre, le coach, pardon, qui a eu la même analyse que toi, Manu. Sortez bleu. Allez, encore un coup de pied. Juste avant les 22 mètres, c'est bien joué ce coup de pied. C'est parce que ça met en difficulté la défense. Mais les Couchois regardent le ballon. Il était bien dosé là, parce qu'on ne pouvait pas faire de marque. Et voilà, bien joué. Très très bien joué. Alors là, ce coup de pied là, malheureusement, pour les Couchois, ouais, il a été. De plus. Ils disent de plus, bah oui. Bah, on demande à prendre les points là. Ah bah oui. Oui, capitaine. Si, Donc on va avoir encore du changement hein, côté Couche. 3 points de plus. Donc deux joueurs qui vont faire leur entrée en jeu. On va revenir dans le camp de son adversaire. Avec un coupé de pénalité à suivre.
Et une balle qui va sortir ou pas. Non, la balle qui ne sort pas. Ah, dommage. Voilà, donc à moindre frais. Eh bien, ça relance. Tout jouer rapidement. Non, 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 bleu, non. Non. Attention. Ouais, c'est dommage. Ah, dommage. Vous attaquez le sol. Voilà, les 3 points de plus. Voilà, les 3 premiers points inscrits au bout de 32 minutes. C'est ça. C'est. Vous pouvez donc des Mazières. Dans les 5. Jeu, oui. Voilà, on va pas prendre de risque. Et belle victoire des Couchois sur le score de 8 à 14. Très beau derby, victoire méritée de ces Couchois qui ont maîtrisé leur sujet. Mais merci. Franchement, les Montchaninois ont fait honneur à leur public en proposant beaucoup de jeux, beaucoup d'envie, beaucoup d'intention. Et avec des malheureusement des imprécisions qui leur ont coûté trop cher.